Mais d'abord, ton histoire, elle a commencé comment et quand? Bien, en 1962, j'ai lu qu'il allait y avoir une course 2 ans après. Et tu as décidé tout de suite d'y participer? Oui, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire ça. Et tu avais un bateau pour faire cette course à ce moment-là? Non, c'est à ce moment-là que je suis allé voir Costantini. Et on a décidé de construire Margilic 5 en vue de la course. Margilic 5? Oui. C'est un bateau en contreplaqué, un déplacement léger aussi. Parce que je pensais que pour cette course, on avait intérêt à prendre un bateau de construction le plus légère possible. Mais tu n'as pas couru avec Margilic 5? Non, parce qu'après, je me suis aperçu, après quelques temps de navigation à bord de Margilic, que je pouvais mener un bateau plus grand. Alors, c'est pour ça que j'ai changé et fait construire Pembic 2. Et vous avez commencé quand à construire Pembic 2? Eh bien, on a commencé les plans à l'automne, mais la construction vraiment du bateau, on a commencé. On a construit le bateau en 4 mois. Et Constantini et toi, vous étiez d'accord sur le principe d'un certain type de bateau adapté à cette course? Oui. Même principe de construction légère. Oui, je voulais un bateau très très léger. Parce que pour avoir moins de toile à manœuvrer, plus un bateau est léger, et en proportion de sa taille, moins il a de toile. Pour un solitaire, c'est intéressant. Pour avoir plus de stabilité. Et quelle différence y a-t-il entre le premier bateau que tu avais construit et Pembic 2? Tu vois, toujours le même principe. Bien, la grande différence est surtout une question de taille, puisque Pembic 2 est beaucoup plus grand que Margilic. 2 mètres de plus à la flottaison, ça fait énorme. C'est le plan de quel bateau? Ça, c'est le plan de Margilic 5, justement. Vous êtes tombé d'accord rapidement avec Gilles? Oh, assez, oui. On en a discuté pas mal, un peu partout. En week-end, au restaurant, chez lui. Ah. Tu vois le problème? Tu vois le problème? Est-ce que ça te convient comme ça? À vue de nez, oui. Mais tant qu'à faire, j'aimerais mieux la phoque directement murée sur l'étrave. Complètement beau? Tu veux quelque chose dans ce goût-là, quoi? Oui. Là. Ça fait avancer aussi les têtes trinquettes, un peu dans les mêmes proportions. Puis pour contrebalancer, on augmente l'artiment. Alors, augmenter l'artiment, je peux te l'augmenter ici, mais je ne peux pas agrandir ton rond. Non, mais mettre un mât plus haut, quoi. Augmenter, je vais t'augmenter un peu le mât. On augmente comme ça aussi un peu la voile d'été. Bon, ben ça va. Il n'y aura plus qu'une étude à faire, c'est l'étude des poids pour les différentes voiles. Quelle est la longueur totale du Pembic? 13,60 m hors tout et 10 mètres à la flottaison. 3,40 m de large et un poids de 6,5 tonnes, dont 3,3 tonnes de lest. Ce qui est léger pour un bateau de cette taille? C'est en même temps très léger et très lesté. Il a plus de la moitié de son poids dans le lest. Tu avais combien de voiles? Il y en avait beaucoup, puisque un artimon, 2 grands voiles, 5 focs, 3 trinquettes, 3 spies, 2 voiles d'été. Ça fait un beau total. Et tes voiles, elles sont en quoi? Mes voiles sont en tergale de cordon noir. Même le spi? Le spi est en nylon. Ben, je compte suivre en gros la route orthodromique, qui est un arc de cercle qui fait à peu près ça, qui arrive à Newport comme ça, et parce qu'elle est la plus courte, elle fait 2800 milles. Tu risques de trouver des glaces sur cette route-là? Oui, c'est la plus défavorable au point de vue conditions météo. On y rencontre des glaces qui peuvent descendre comme ça, et les vents sont les plus défavorables. Mais en raison de cette plus courte distance, je la préfère à la route des Açores qui fait ça, qui fait en gros plus 800 milles, mais je crois que l'économie de terrain est primordiale. Thank you.
Quelle impression ça t'a fait la première minute à la barre du Penguin 2? Bien, j'essayais de me rendre compte un petit peu si le bateau marchait bien. Et la première impression n'a pas été mauvaise. C'était combien de temps avant la course? Oh, c'était juste quelques jours avant la course, c'était début mai, et la course partait le 23. C'est ton père qui s'est occupé des vivres? Oui. Dis donc, tu partais pour faire le tour du monde. Ou bien j'en prenais pour 3 mois, puisqu'il faut compter un bon mois de traversée. Et puis, mon séjour là-bas, je ne savais pas comment ça allait se passer. Et puis, j'avais aussi toutes les conserves qu'il me fallait pour rentrer. Ta mère a été ton seul public? Oui. Bah, tu sais, au mois de mai, à la Trinité, il n'y a pas grand monde. Voilà Plymouth, voilà Ilala d'Ellison, et devant Leave les Lady de Rose. Alors là encore Ilala avec son gréement de goélette à voile chinoise. J'ai fait 10-11 mètres. Eric de Chaffee, Vandashaila de Bunker, tout petit bateau aussi. Et voilà un catamaran, le Rui Moana de Dr. Lewis. Là, on voit très bien les deux coques. Le concurrent australien, Bill Howell avec Stardrift. Et Valentino Howell avec Akka. Et voilà Gypsy Moth de Chichester. Ton principal concurrent? Oui, c'est lui qui avait déjà gagné la première course. Et où était le Penwick pendant ce temps-là? Le Penduic était en retard, j'ai bricolé jusqu'au dernier moment, je suis arrivé juste... Et l'autre français, Lacombe? Bien, Lacombe, on ne l'a pas vu, mais il était par là aussi. Il avait le plus petit bateau de la course et j'aimais autant être à ma place qu'à la sienne. Vraiment, au fond de toi, tu t'accordais combien de chances d'arriver le premier? Ah, j'avais bon espoir. Je n'aurais pas chiffré, mais enfin, j'avais bien étudié mon coup quand même.
Tu étais le seul à avoir un pilote automatique ? Non, non, tout le monde en avait. Le bateau avec cet appareil garde un cap constant par rapport au vent. Donc tant que le vent souffle de la même direction, le bateau marche au bon cap. Oui, c'est un avion de la RAF qui est chargé du repérage des concurrents. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, eh bien, c'est ma première avarie de pilote automatique, une avarie à la fixation. Alors, j'essaye de limiter le jeu, tant bien que mal, avec un bout de plastique. Et ça ne servira à rien? Bien, ça va servir quelques jours en attendant l'avarie définitive où là, le pilote automatique va être complètement hors de combat. À quoi tu passais ton temps, en gros, dans la journée? Bien, il y avait toute la manœuvre du bateau, la navigation, la cuisine, les repas, puis dormir. Et combien d'heures de navigation active? Oh bien, active. C'était les heures de navigation active, c'est ce qui n'est pas pris sur le sommeil, en fait. Oui. Oui, au bas, je dormais dans les 5-6 heures par jour. Le vent souffle à combien là? Oh là, et force 7 à peu près. Oui, là, mon pilote automatique à cette vitesse là se déréglait continuellement. Alors il a fallu que je reste veillé toute la nuit. Là, tu pouvais dormir chaque fois combien de temps? Je mettais mon réveil à sonner toutes les heures ou toutes les deux heures suivant le cas. Suivant que je voyais que
la brise était stable ou pas. Là, tu t'es pas réveillé. Là, je me suis pas réveillé, non. Tu commençais à être fatigué. Sans doute, oui. Et qu'est-ce qui t'a réveillé, alors? Bien là, le bateau a changé de cap, les voiles étaient en ralingue. On était même en panne sur l'autre amure. Mais qu'est-ce qui était cassé dans ton pilote automatique? Bien le petit gouvernail auxiliaire était parti. Au bout du tube, il devrait y avoir un petit gouvernail. J'en ai vu trois de ces oiseaux. Il y en a deux qui sont venus mourir à bord. Tu étais à combien d'Angleterre ce jour-là? Oh, je devais être à 1500 milles de l'Angleterre. J'étais juste à mi-chemin. Qu'est-ce que tu écoutes là? Là, j'écoute Big Ben pour faire le point astronomique. Il faut l'heure exacte. Le premier coup de cloche donne minuit juste. Et là, un autre avion t'a survolé. Oui. La sortie du lit. Cet avion donnait ta situation. Oui, c'est le deuxième et dernier avion anglais que je verrai. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je mets le tangon pour mettre le spi. Tu étais le seul à avoir un spi, je crois. Oui. Tu as fait ta cuisine régulièrement tous les jours? Presque tous les jours, oui, sauf
De temps en temps, une fois par exemple sous spi, j'étais obligé de barrer toute la journée. Alors, dans ces cas-là, ben, je mange casse-croûte ou des chocos. Et la coque du Pendwick qui paraissait si légère au départ, elle a tenu ? Aucun ennui, non. Avec le contreplaqué, on arrive à faire très léger, mais très solide aussi, puisque une feuille de contreplaqué à épaisseur égale est plus solide que du bois. Attaché souvent comme ça? Non, une seule fois. Il faisait assez mauvais cette nuit-là et comme j'étais obligé de barrer. Chester t'a reproché de ne pas avoir signalé tes positions. Oui, il faut un équipement assez perfectionné pour pouvoir transmettre ses positions. Comment tu es arrivé à tenir le coup pendant des heures de nuit avec ces vents? Bien, quand je voyais que le bateau était bien à son cap, que ça avait l'air d'aller, j'en profitais pour aller me coucher, mais je ne savais jamais si j'étais pas obligé de me relever 10 minutes plus tard, une demi-heure. En tout cas, je suis jamais resté tranquille plus d'une heure et demie. À ce moment-là, eh bien, le bateau virait de bord ou quelque chose comme ça, ou les voiles étaient en ralingue, ça me réveillait. Et j'étais obligé de remonter sur le pont, remettre le bateau en route, régler la barre, et puis je retournais me coucher. Le réveil était cassé. Oui, là je viens de le casser. Mais ça avait beaucoup moins d'importance maintenant que mon pilote automatique était lui aussi cassé. J'en avais surtout besoin tant que le pilote automatique marchait. Là maintenant le bateau se charge lui-même de me réveiller quand ça va pas. À quelle vitesse là avec le spi? Oh, là on doit avancer une dizaine de nœuds. Tu as suivi un régime alimentaire particulier pendant la traversée? Non, pas vraiment un régime particulier, ce qui a fait la nourriture change un petit peu évidemment, puisque c'est surtout à base de conserves. Mais en fait c'est ce que j'ai l'habitude de manger en mer.
pour la boisson, un petit peu de vin rouge pendant les repas. Quelle température il faisait dans ton bateau? Il faisait assez froid d'une façon générale, puisque dans le courant du Labrador, l'eau était à 3 ou 4 degrés. Alors les nuits sont tout à fait glaciales, près du 0 degré. Et rien que le temps d'aller changer un phoque, on a les mains engourdies par l'onglet. Et tu allumais ton petit poêle tous les soirs? Oh non, je l'ai allumé 2-3 fois seulement, parce qu'il y a une vraie corvée à faire prendre. Mais là, tu n'es plus dans le Labrador. Non, là, c'est une incursion involontaire dans le Gulf Stream. Alors là, ça change du tout au tout brutalement. On arrive tout de suite dans des eaux très tièdes et à ce moment-là, il fait une température presque tropicale. Et tu y es resté longtemps? Je suis resté 2 jours, là, parce que j'en suis ressorti le plus vite possible. Parce que le Gulf Stream est un courant défavorable pour se rendre en Amérique. Donc, pour une course, il vaut mieux être dans le courant du Labrador. Aucune femme n'était candidate pour la course. Non. Je pense que ça serait un peu dur pour une femme.
Et là, tu es en train de faire quoi? J'envoie la chaise en tête de mât pour pouvoir grimper et aller m'asseoir dessus pour remettre en place la poulie de phoque qui était tombée. C'est pour la drisse de phoque. Sans cette poulie, je peux pas mettre de phoque. Et elle s'est cassée en cours de route? C'est la tâche qui s'est cassée. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de vent? Non, il y avait très peu de vent, alors le bateau roulait pas mal, il était pas appuyé. C'est dangereux ce que tu fais là? Non, pas trop. Il suffit de bien se tenir. Ce bateau, c'est quoi? C'est le bateau feu de Nantucket. C'est une marque de parcours. C'est-à-dire qu'on devait le laisser à tribord. C'était la seule marque de parcours qu'on avait. Tu pensais le trouver là? Oui, ma position était exacte à 3-4 milles près. À quelle distance de Newport tu étais ce jour-là? J'étais environ 80 milles. That's the person, isn't it? That's right, Taberly. Yeah, catch Taberly. Yeah, you have the questionnaire? Yeah, here. Ask him where he comes from. Okay. Wait a minute, he's trying to say something. Oh, yeah? How many boats in the red are high? What? How many boats in the red are high? You're first! Oh. Okay. Where are you from? Plymouth. Where? Plymouth, England. Plymouth, Where are you going to? Newport.
dernière nuit. Oui, sera blanche, puisque je suis trop près maintenant de la Terre. Il y a des îles avant Newport, Nantucket, Nomadland, et le bateau risquerait d'aller à la côte. Un flash spécial qui va nous présenter Jean-Paul Blanc. Eh bien, cette fois, pour Tabarly, c'est gagné. Le Pendwick 2, le bateau du navigateur solitaire, a été repéré ce matin à quelques heures de marche de Newport. Ce sont des avions de reconnaissance américains qui ont transmis la nouvelle. Le yacht du Britannique Chichester est encore très loin derrière. Donc, après 27 jours de mer, Eric Tabarly a gagné la traversée de l'Atlantique en solitaire. Bien sûr, au cours de l'information, nous tiendrons au courant des ultimes péripéties de la course. Oui, est-ce que vous êtes au courant déjà de la Légion d'honneur que le général de Gaulle lui a décernée? Non. Oh, c'est formidable, ça. Je vais lui apprendre tout à l'heure. Le général de Gaulle vous aurait appelé. Oui, c'est exact. Dès qu'il sera arrivé, je lui remettrai la Légion d'honneur. Enfin, s'il sera fait, je vais la Légion d'honneur. Et voilà Newport, capitale américaine de la voile, où partent les plus grandes courses, les Bermudes et l'Amérique. Il y a beaucoup de monde, il y a des tas de vedettes qui sont en train de l'escorter. Comment était Tabarly lui-même? Tabarly, absolument superbe, frais comme une rose. T'es pas fatigué? Pas du tout fatigué, apparemment c'est un garçon qui a une résistance étonnante, et cette domination, faite dans ces circonstances, a fait grande impression sur nos amis américains. Vous attendiez à gagner cette course? Au départ, j'avais beaucoup d'espoir. En cours de route, j'ai à peu près perdu tout espoir quand j'ai cassé mon pilote automatique. Et ce matin, quand on vous a annoncé que vous avez gagné, vous avez été surpris vraiment? J'ai été assez surpris, oui. Comment ça s'est passé en tout, la traversée? En bonne dans l'ensemble. Pas de mauvais temps? Il y en a eu, bien sûr, il y en a toujours dans ces cas-là, mais enfin, il y en a eu plutôt moins que prévu et moins de vent debout. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant cette traversée qui a tout de même duré 28 jours? Et 27 nuits, je crois. Oui, j'ai pas manqué de grand-chose, au fond. Alors, vous êtes un solitaire par nature? Oui, quoique je ne sois pas antisociable du tout, mais... Alors, comment allez-vous retourner maintenant en France? Car vous allez y retourner bientôt. Oh, probablement avec ce bateau, dans quelques jours. Tout seul? Tout seul. Par la même route? Sans doute pas, non. Et est-ce que vous espérez faire un meilleur temps? Battre votre propre record? Je ferai des escales, alors ce sera plus la même chose. Alors c'est plus une compétition, mais un voyage d'agrément, le voyage retour. Oui, c'est de la promenade. Quand il est parti, votre petit-fils Eric, oui. Vous étiez là, bien sûr. Vous lui avez donné des conseils. Moi, vous savez, je suis très croyante. Et alors je lui ai dit, mon chéri, écoute, je te donne deux médailles. La médaille miraculeuse et puis Notre-Dame de Lourdes. Elles sont bénies, alors promets-moi de les mettre sur ton bateau. De cueillir des messes, des cierges que je mettais à la bière. Vous allez peut-être me trouver ridicule, mais enfin, le résultat est là tout de même. Il rêvait de manger un steak saignant, de 600 ou 700 grammes, et il a tout mangé. Nous lui avons demandé s'il y avait eu des épisodes remarquables dans son voyage. Il nous a dit non, rien d'exceptionnel. J'ai eu quelques grains, bien sûr. Mais enfin, ceci dit, il n'a pas voulu dramatiser son voyage. Comprenez, on aurait presque pensé qu'il allait faire une promenade en mer. J'ai toujours entendu dire qu'on serait pas resté à Barney. C'était un peu pénible pour moi de l'entendre. Je dois dire qu'au départ, j'ai été très inquiète quand je l'ai quitté à la Trinité. Mais il m'assurait qu'il me reviendrait. Mais c'était des moments très douloureux pour moi. Quand j'ai vu son bateau s'éloigner au fur et à mesure que la voile disparaissait, le cœur se serrait de plus en plus. Finalement, la Transat a rapatrié le Pendwick et tu as pris des vacances. Qu'est-ce que
que ça t'a fait tout ce monde après le grand silence? Oh ben j'ai été surpris. Je m'attendais pas du tout à remettre tant de monde. Puisque je suis un ancien officier de transmission, je ne me trouve pas tout à fait en accord avec vous quand vous déclarez ne pas aimer les instruments de radio. Mais je ne peux avoir que de l'admiration pour vos hautes qualités de marin, de navigateur, pour votre courage et votre persévérance. Je suis certain que tous les marins du monde vous saluent. Lord Mountbatten, ancien premier lord de la flotte, qui t'a remis la coupe de l'observeur. Si tu nous parlais un peu de toi, quel âge as-tu? J'ai 32 ans. Et tu navigues depuis combien? Oh, depuis toujours.